Bonjour à tous et à toutes, nous sommes pour une vidéo commentée pour l'épisode 17. Et pour l'épisode 17, qu'est-ce qu'on va faire? On va conduire encore la maison, construire encore un petit peu la maison et l'aménager, surtout faire le toit et tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les murs déjà. Les murs, ce serait plutôt bien. Parce que là, sans mur, ouais, ça le fait pas trop. Donc avec leur technique comme ça là, maintenant on peut plus faire des trucs comme ça parce que voilà, ça après ça fait des murs trollés quoi. C'est chiant, c'est pénible, mais c'est un truc de fou. Ils ont mis plusieurs, franchement, ils ont mis plein de nouveautés. Je m'y perds, je vous jure. Je m'y perds, mais vraiment, hein, je trouve qu'ils y vont un peu trop vite. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi je trouve qu'ils vont un peu trop vite dans Minecraft. Ils font un peu trop de choses. Donc moi je m'y perds à force, donc c'est pour ça que moi je leur dis... Arrêtez putain! Parce que moi je m'y perds. Fait chier. C'est ballot pour moi quand même. Alors, voilà, c'est nickel. Avec une grande entrée, pas besoin de porte, ça sert à rien. Ce qu'on va faire, on va commencer à faire le contour. Le contour, si je trouve bien sûr. Voilà, j'ai trouvé. C'est bon, j'ai trouvé. Donc on va faire le contour de la maison avec de la brique là, stone brick. Non, c'est pas de la stone brick, c'est impossible. Ah putain, regardez, ils me font chier avec leur truc. En fait, on peut pas faire notre propre truc. Avant, c'était beaucoup mieux, je trouve. Ils auraient dû faire peut-être une autre technique, appuyer sur deux boutons pour faire ça, ou des trucs comme ça, quoi. Après, je sais pas, inventer un système. Donc c'est vraiment bizarre leur système. Donc pas grand chose à vous dire. En ce moment tout va bien. Mon ordi est bien arrivé. Il va très bien. Et je joue super dessus. Bah pas déçu pour l'instant. Peut-être plus tard on verra. Je changerai peut-être ma carte graphique. Hein, on sait jamais. Et puis voilà quoi. Moi je trouve que j'ai de plus en plus d'abonnés. Donc c'est magnifique. C'est toujours magnifique hein, de voir autant d'abonnés. De toute façon. Bon, si même des fois ça voilà ça va pas haut quoi, ça va doucement hein. Pour des abonnés de toute façon faut en faire des vidéos parce que là j'ai arrêté les vidéos et j'en avais plus aucun, donc vous voyez vraiment qu'il faut être toujours actif sur la chaîne et ne jamais lâcher, mais vraiment ne jamais lâcher. Si on lâche juste un tout petit peu, on peut perdre déjà toute la communauté qu'on a. Là, je vous jure, c'est comme ça, hein, YouTube. C'est un truc de dingue. Donc, de toute façon, on sait très bien qu'un jour, j'arrêterai les vidéos. Ça, c'est même sûr et certain hein, que j'arrêterai les vidéos un jour. Moi, je pense laisser ma chaîne ouverte, mais après, on sait jamais hein, ce qui peut arriver. Des fois, ça pourrait me saouler et puis arrêter direct. Des fois, moi, ça peut m'arriver. Je crois que je l'ai fait plusieurs fois, ça. Hein. J'ai presque arrêté plein de fois en fait. Hein, parce que je regarde là, je m'imagine dans la tête. J'ai failli arrêter plein de fois. Hein. J'avais plein de vidéos, j'ai failli arrêter et tout. C'est vraiment dingue quoi. Et c'est vrai qu'avant c'était chaud parce que j'avais pas beaucoup d'abonnés, ça arrivait pas. Et moi j'en suis sûr que c'est à cause de Minecraft. Ça m'a fait complètement ramé en fait, ramé ma chaîne. Donc ça m'avait fait complètement ramer ma chaîne. Bon là ça va encore, il y a quand même quelques abonnés qui aiment le Minecraft. Mais ça commence à disparaître le Minecraft sur YouTube. Donc maintenant c'est plutôt la mode DayZ. Donc DayZ à venir aussi. Et donc DayZ, ouais, franchement très bon jeu. Hein. Ça c'est vraiment un jeu de fou. Hein. Et comme je vous dis, pareil, ça ce sera un jeu aussi qui sera super bien mais qui va être délaissé après par la suite. Comme tous les jeux, quoi. Voilà, comme ça. Comme ça. Et donc aussi, voilà. Je voulais mettre depuis très 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 longtemps deux vidéos avec mon pote qu'on a fait une vidéo en mode zombie. Et donc, je la mets toujours pas. Mais franchement, 4 go, ça se met pas comme ça, quoi. Donc, j'attends vraiment le bon moment pour la mettre. Donc je vous le dis comme ça, hein, on va faire du zombie hein, sur Black Ops. Je vous dis pas quel monde, je vous dis rien du tout. Et puis vous verrez, c'est vraiment de la bombe, quoi. C'est vraiment bien éclaté.
Et donc voilà, vous verrez bien de toute façon. Bon, ça se viendra peut-être dans les prochains mois ou peut-être dans les prochaines semaines, je sais pas. Ça dépend de mes idées que j'aurai. Et puis on verra par la suite si on en fera d'autres peut-être ou pas. J'ai plus grand-chose à vous dire. Donc là, on fait la maison. Donc comme vous voyez, ça fait un peu au pays chinois, quoi. Pays chinois avec les petits trucs comme ça, c'est vraiment joli. J'aime beaucoup, moi. Et donc là, on va pas monter jusqu'en haut, bien sûr que non. Le truc, c'est que ça ferait trop con en fait de monter trop haut. Monter trop haut, ça ferait pas beau. Donc voilà, donc là, on met un toit qui va nous prendre bien sûr super beaucoup de temps, mais c'est comme ça quand on veut un beau toit, hein. On met les tripes. Et surtout la bonne volonté. Parce que c'est dur, hein. Donc quand même, je voulais vous faire. J'espère que vous êtes quand même pas trop déçus que j'arrête cette série. Bah, parce qu'on m'avait demandé aussi les défis et tout. Mais les défis, je pourrais pas les faire parce que j'ai plus le machin. J'ai failli les faire quand même. J'avais quand même une laine blanche, une laine noire et une laine rouge. Ça allait plutôt vite, hein. Je pouvais toutes les faire de toute façon. Donc la prochaine fois, peut-être je ferai une autre série. Mais c'est vraiment pas sûr du tout, hein. Donc déjà une série sur DayZ, obligé. Obligé la série sur DayZ. Là je peux. Même je regarde des vidéos des autres youtubeurs. Franchement, c'est de la bombe ce jeu. Je l'ai commandé. Je l'ai toujours pas reçu. Ils sont en rupture de stock sur Amazon. Et donc on verra bien si je le reçois un jour. Et si je peux l'avoir avant qu'après il soit payant DayZ. Et donc voilà, donc parce que oui, DayZ sera payant après. Donc achetez surtout pas Arma 2 aujourd'hui. Moi j'ai fait l'erreur. Bien sûr, j'ai fait l'erreur comme tous, hein. Donc j'ai acheté Arma 2. Arrowhead là, version Arrowhead là. Et donc voilà, donc faites surtout pas comme moi. Faites surtout pas comme moi, voilà. Parce que vous aurez vraiment des gros soucis, hein. Après vous allez vous dire, ah merde, je peux plus jouer à DayZ, merde, c'est quoi ce bordel, je peux que jouer à Arma 2. Et ouais, parce que en fait maintenant ils vont le mettre sur l'Arma 3, mais ce sera pas Arma 3 en fait, ce sera le moteur graphique Arma 3, mais il sortira un petit jeu sur DayZ. C'est ce que j'ai entendu dire, après c'est vraiment pas sûr, hein. Se fiez pas à moi, hein. Mais j'ai entendu vraiment dire ça et moi j'y crois. Donc on verra bien ce qui se passera de toute façon. J'ai un peu regardé des vidéos là-dessus. Il y a aussi un gars qui s'y connaît bien dans le DayZ. Donc il avait dit que ça allait être payant. Donc voilà, 20 euros à peu près. Donc voilà, j'aurais plutôt mettre mes 20 euros sur Arma, sur DayZ. Mais bon, voilà, comment on peut dire, hein. Je l'ai payé aussi combien? 29 euros. Ah oui, il coûtait 29 euros et d'un seul coup, après le lendemain, 18 euros. Merde! Franchement, j'étais dégoûté là, mais bon, c'est pas grave, hein, comme vous savez. Hein. C'est Amazon, ça change à chaque fois les prix. Donc voilà, c'est ballot. Donc voilà. On a fait un beau toit quand même, il est plutôt sympa, hein, vous voyez, à la Chine, à la chinois. À la chinois, le toit à la chinois. C'est vraiment joli. J'aime beaucoup, moi. On va faire plutôt comme ça fait mieux. Donc voilà, je verrai pour voir pour les autres vidéos qui va suivre, bien sûr. Je regarderai s'il y a des bonnes vidéos encore à faire. S'il y en a, bah, il y en a toujours des bonnes vidéos à faire. Il y a même une vidéo que j'aimerais bien faire, mais que j'ai pas le jeu, dommage. Mirror Edge, je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais voilà, le jeu il est pas mal. On peut sauter sur tout et tout, c'est pas mal. Sur la ville. Donc aussi, si vous avez des packs de textures. Vous pouvez m'en proposer parce que j'en cherche un depuis des lustres, je vous jure, des lustres. Donc ça fait super longtemps que je cherche des packs de textures et là il m'en faudrait. Donc si vous en avez quelques-uns, et ben dites-le-moi le nom du pack qui est le plus le meilleur, quoi, le meilleur pack que vous avez vu de votre vie, et surtout me le faire partager si vous l'avez. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Elle était courte cette vidéo, mais surtout, je l'ai appréciée. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.